Donald Trump s'est agacé ce mercredi du soutien de l'icône de la pop à sa rivale démocrate Kamala Harris. Donald Trump ne digère pas le soutien de Taylor Swift à la candidate démocrate Kamala Harris. Il est d'ailleurs persuadé que ce soutien va être sanctionné par les fans de la star. Taylor Swift va en payer le prix sur le plan des ventes, a-t-il ainsi déclaré dans une interview à Fox Friends, sur la très conservatrice chaîne Fox News. Je n'étais pas un fan de Taylor Swift, a déclaré Donald Trump pour qui le soutien de la chanteuse au camp démocrate était juste une question de temps. Elle ne pouvait pas soutenir Biden. Mais c'est une personne très à gauche. Elle semble toujours soutenir un démocrate, et elle en paiera probablement le prix sur le plan des ventes. Je vote pour Kamala Harris. La chanteuse a annoncé sur Instagram, où 283 millions d'abonnés la suivent, son soutien à la rivale de Donald Trump, juste après le débat qui a opposé les deux candidats mardi. Dans son message, l'artiste aux millions de fidèles, a loué en Kamala Harris une dirigeante douée et solide. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d'une guerrière pour être défendues. Je pense qu'elle est une dirigeante stable et douée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos, écrit-elle dans ce message. Il s'agit là d'un soutien de taille, tant l'influence de la chanteuse est considérable aux États-Unis. En septembre 2023, plus de 35 000 Américains étaient allés s'inscrire sur les listes électorales après un message de la chanteuse. Plus de 7,5 millions de personnes ont aimé le message de soutien de Taylor Swift à Kamala Harris.